Bonjour à toutes et à tous, c'est Rikai et je vous retrouve sur E4 pour la suite du Let's Play avec l'Empire romain d'Orient. Donc j'intègre Tunis en ce moment. Alors, la dernière fois, je vous rappelais que j'ai perdu deux alliés, l'Autriche et la France qui me haïssent, hein. L'Autriche, je vais déjà casser la gueule pour occuper les provinces ici. La prochaine fois, je prendrai ça, hein. Et il y a la France, et je tente la guerre contre la France. Je tente l'affrontement ultime. Et là, je lance l'assaut. Prépare les troupes pour attaquer la France. Je mets tout ce que je peux derrière. L'idée, c'est de prendre cette fichue forteresse-là déjà. Et je veux dire, il y a toutes les armées qui partent, je veux dire, toutes les armées sont en train de repartir vers la France. Hein. Ici, je bloque avec ma flotte, comme ça, il va être obligé de passer par... Il va être obligé de passer par... On se battre ici. Alors, mon vassal était un peu con, hein. Là, il y a vraiment tout qui arrive. Hein. Il y a 150 000 hommes ici. Pour information, la France, elle a environ... Il y a près d'1 million d'hommes en face, hein. Il y a beaucoup de canons. En vrai, le gros problème des canons, c'est que... tant qu'ils sont en seconde ligne, ça passe. Ah oui, après, niveau ici, j'ai plein de points, je sais plus quoi en foutre. J'ai un peu fait gaffe, hein. 35. Bon, j'ai plus 15%, j'ai 20 de morale. Et on a foutu la France, ça compte pas, je joue le clodo. Hein. L'idée, c'est de prendre Toulon, et une fois qu'on a pris Toulon, on devait y aller petit à petit. Si je dis la paix, prendre ceci. Ouais, ok, d'accord. On va prendre Sassari. Tant que je serais pas... Je serais obligé de débarquer ici, hein. C'est le prince de merde. Super. Autant si je veux faire une guerre, à un moment je débarquerai ici, hein, et hop. Je prendrai la Corse, je foutrai une petite armée sur la Corse, et hop, j'ai attaqué Sassari. Et je le niquerai avec ma flotte. Parmi les ennemis acquis, il y a également les USA, ce qui est dommage. La Pologne a récupéré les terres ici. Ok. Ah, c'est la Pologne possède ça, d'accord. Heureusement, je suis toujours pote avec Moscou. Y a pas des gens qui voudraient être mes alliés un jour. Congo, Haoussa, Wataoué. Haoussa sera pas dégueulasse. USA, ils me détestent. Et après, c'est mort. Tellement de pognon, je sais plus quoi en foutre. Aussi, j'ai traité des Mercos. Regardez-moi le nouveau... Regardez-moi les troupes, là! Là, il va s'user, hein. Je sais pas combien il va perdre d'hommes là-dedans. Il faut juste que je pique les forteresses là. Espagne. J'essaie de piquer les forteresses, puis remonter vers sa capitale de merde. Réalisme. Bon, on est remonté à 315 000 hommes. L'Écosse, c'est vraiment une ruine. Hein. Bretagne, tu veux pas faire une petite guerre là contre.
Ok, tu faisais ça? Ouais, j'aurais bien aimé voir une petite guerre en vrai contre Écosse. Il y a une trêve contre l'Écosse. Avec la France. Un truc que je comprends pas, c'est la Grande-Bretagne. T'as pas de guerre contre l'Écosse. La trêve. Pourquoi t'as pas fait de guerre déjà? Pour le défoncer le machin. Alors tout le monde est tombé, bonne nouvelle. C'est l'objectif de guerre tout loin. Donc t'es 11. Y a pas de brèche, hein. C'est-à-dire que si je mets une brèche, on passe à 92%. Hein. Voilà. On va avancer nos troupes. Boum, me tue 9 000 hommes, stack weapon 9 000 hommes. Tout ça le prix. Et là, les armées commencent à se vider et à se déverser. Et ces connes vont se déverser massivement. Et le Doomstack français va bientôt arriver tôt ou tard. Quarante jours seulement. On va faire d'ailleurs serait faire un réseau de claims d'espionnage chez le français. Un réseau d'espionnage, ça paraît d'avoir plus de comme c'est de siège, putain, moins 92. Ah bon, il n'est pas prêt de tomber, hein. Je peux vous mentir. Cinq missionnaires. En position. Bon. J'ai pas une troupe avec des soldats là. Envoyer une petite armée ici pour aider au siège, parce que mon 85 c'est pas possible. T'as l'Angleterre, sérieusement, je suis en guerre contre la France, fais pas chier! Ah, c'est bien, il a 200 000 hommes là sur Grenade. Regardez-moi le manpower qui remonte. Et vous, là, que vous foutez là? On va faire style qu'on négocie, qu'on a quelque chose à foutre des rebelles. Il est retombé, parfait.
Voilà, hop, ça progresse. On avance. Vas-y, hein, pas du tout mon gars. Hein. Je vais prendre deux forteresses. Moi, j'en prends 4 ou 5. T'es passé par où, sac à merde? Il y a 100 000 hommes aussi. Même 130 000, hein? Putain, la vache. Eh ben, mon gars. Faut mentir que je préfère faire des sièges que vous affronter la France. Qu'est-ce que je pourrais t'offrir? Je pourrais rien t'offrir. Vous aurez. Sa capitale, c'est où? Sa capitale, c'est toujours Paris, bien sûr. Logique. Versailles, level 2. Moi, j'ai recherché Paris. Hein. Ils ont pris la capitale, mais on se porte. C'est pas ces savoyards qui pop juste sur mon armée. Un bon choix, les gars. Un truc que je peux faire, moi, pour les faire chier. Pas le forteresse ici. On va mettre des forteresses ici également. C'est la colline en plus. On va booster celle-ci. Le désert aussi. Ça améliorera la défense. Voilà. On fait également. Pas de fourneau que je peux faire? Mince. Garnison. Pour monter encore ma limite de troupes. Allez, s'amuse, hein. Ouais, bah, c'est bien, c'est que ton pays, c'est ça. Le mien, c'est ça. T'as une profondeur stratégique, il y en a un qui a plus de profondeur que l'autre. Hashtag Allemand 40. Alors, le chat gravi. Oh merde. Après, c'est beaucoup de transport qu'il a. C'est quoi, c'est qu'il s'occupe un flux de transport. Pas de commandant, tu m'étonnes qu'on ait perdu. Non, moral terrestre. Et faire du moral. S'il y a des combats, faire du moral. Il faut réparer tout ça et après on fonce à la surface. Mon plan de mon plan là tombe à la flotte, merde. C'est qu'à le dire. Après, si je prends deux forteresses ici, au moins je serai tranquille. Si je prends les forteresses ici de Labourg et de Roussillon, il faut le passer.
Oh, ça fait chier ça. Mon télé est tombé. Faut accélérer la conquête de son pays de merde. Capitale, attends. Y'a rien, c'est qu'un fort niveau 1 sa capitale. Oh le boulet! C'est con ça. Je vous en ai tombé. Paris est tombé, 63 jours. Et après, il y a pas mal de forteresses dans le nord aussi, les Français là. On va se replier derrière notre. On va se replier ici. Je vais pas lui péter sa flotte ici parce qu'il me fait chier là près de ma capitale. Narbonne est tombé, super. Comme le fort du Roussillon. Un piqué de fort là, il y a plein qui nous empêche d'aller jusqu'en Bretagne. Les révolutionnaires, on va leur expliquer un petit peu la vie. On partage pas leur idéologie. Messieurs. Voilà. Française entière de massacrer, c'est une bonne chose. On va réparer un petit peu. Sainte-Geneviève, l'hippopotame. Les armées là-haut, je vais me la faire. Ils sont polonais maintenant, ces cons-là. Je vais t'amuser à attaquer mes vassaux. Hein. Ouais, c'est que ben. Le problème de la France, c'est que le territoire est, est condensé. Le mien est hyper large. Ah, c'est plus arrivé valide, parfait. Même Luke et compagnie, ça plaît à leur taper dessus, hein, j'ai tout ce que je voulais. Et puis je transforme un mec en église. Même look là, franchement. Et ces mecs ont débarqué ici en Pologne. Ces mecs en Pologne, bah amusez-vous les gars. Là, ça, là, on les fume les Français. Ouais, j'ai converti culturellement pour que je me faisais chier. Dans les années où je foutais rien, j'assimile. Ah! Des Français par ici, quand même? Il s'était enfant de Dix, serait-il bien sauver son pays?
Puis, ramène tes armées, mon gars, hein. Ramène-les, hein, parce qu'il va falloir sauver ton pays, hein. La capitale, par exemple, la bourre est tombée. Ne rester ici plus longtemps, hein. Tiens, ici, on s'en fout, c'est rien. C'est vrai que la Castille, c'est fini. Allez, il s'amuse ici, hein. Bah, me sois bien, mon gars. La fin de l'évolution, voilà. Ah! Plus fou révolutionnaire, parfait. Après, avec un peu de chance, on aura une grosse révolution en France qui va foutre le bordel. Le problème, c'est que je dis ça, mais avec un peu de chance. Ça peut user la France temporairement, mais si elle s'en sort. Le régime révolutionnaire est monstrueusement puissant, il a des bonus de taré. Déjà que c'est la France, c'est monstrueux. Avec ses bonus, ouais, il se fait casser la gueule ici la France, tant mieux. Pas moins d'aller user l'Écosse. Ils sont pas arrivés ici. Parce que je veux pas faire un petit siège de l'Écosse. Les colisées, bah amusez-vous bien les gars, mais bon, franchement... Ouais, taper des connards à Namur. Ok, c'est enfoiré. Oh, tant pis. On va essayer de l'avoir. Il y a Verdun. Elle est tombée, parfait. C'est le piège à con. Je suis sûr qu'il attend que j'envoie tout ici pour attaquer mon armée en Lorraine. Voilà, c'était un peu du Doomstack, hein. What? Non, je vais jouer cul nu! Et une flotte US! 360 navires, ah oui, d'accord. Ouais, bah c'est mort, je pourrais pas le battre sur la mer, hein. Oh, je vais rester dans les mers intérieures. Où je suis bien meilleur. Un navire, ça serait déjà pas mal. J'ai marin pour en plus. Là, par contre, pille-moi ces provinces. Hop. Ouh. On prend la Lorraine très vite. Donc après la Lorraine, on lui retombe dessus ici. Il y a moins 35. Danemark, il n'y a pas autre chose à faire que je me viens emmerder. Et si, reviens, reviens! Quand elle donne un coup. Ah
Ah, j'ai arrêté la Croatie, parfait. Vous voyez, c'est une pronoïa non héréditaire. J'espère qu'ils tiennent plus longtemps, mais bon. Bon, pas grave, prochaine guerre, j'ai contre l'Autriche, je prendrai les provinces manuellement, c'est pas grave. Je vais faire la matrice avec ce con. 53. Dans 9 ans encore, j'ai le temps. 9 ans pour éclater la France, c'est largement faisable. Je vais pas vous barrer, vous, là. Là. J'aime plus que c'est le dernier étage, mais bon, c'est pas grave. Au pire, le français, tu vas péter mes rebelles? Mais sois bien le français. Ah oui, c'est que j'ai pété. J'ai fini un CGC. Dangereux ce coin-là, parce que le français peut m'attaquer par ici et peut également m'attaquer par revers. Les bateaux, c'est pas le moment de sortir non plus, hein, soyez pas con. Metz, enfin le Messin plutôt. Mince d'étoffe. Luxembourg, c'est pris. Oh, zat. Bien, lui, il prend une forteresse en un an. Moi, j'en prends deux ou trois dans la même durée. Forcément, le score de guerre monte en faveur. Ses potes vont tout le temps avoir ras-le-bol. Oh l'enfoiré, il fait comme moi. Il joue comme moi, il joue crade avec la dévastation. Mais quelle enflure! Bon, tiens, si jamais j'ai des events du genre piller des villes françaises, évidemment, je vais les ravager. Hein. 34, 30, mais cassez-vous. Tu peux t'amuser, toi, à dévaster le français? Ah, c'est vrai que je veux gagner un emprunt? Je sais même plus. Les bateaux sont un peu cons quand même. Hein. On con un navire. Restez groupir! Voilà, je vais faire un petit coup là quand même, faut quand même leur taper dessus. Viens, là il vient chez moi. Ça c'est pas acceptable. Je vais faire des bassins avec ce pays de merde, d'accord. Mais là c'est lui qui vient chez moi, il va me faire chier chez moi sur mes terres. Pas acceptable ça. Dangereux ce que je fais là. Hein. J'ai qu'ils me prennent par revers là. Pas quand je peux résister. Non, non, je crois que j'ai pas compris. Exporter des mosaïques. À qui je peux les exporter? Portugal? Et le Portugal accepte. Alors, Milan, le grand dôme de Milan, évidemment. Le Caire. En fait, il n'y a rien d'autre que je peux faire grossir comme monument. Je
Regardez ça. Hop. Ouais, pour nous inciter, hop. Et hop! Vous avez vu ça? Oh, quel monument! Chut! D'un coup, merci, au revoir! Alors maintenant, mon Doomstack ici, je vais envoyer contre le Frenchie. T'es combien dans ton armée là, mon gars? Regarde, plus 0,82, bim, ça y est, ça fait plaisir. Bouge pas, reviens, occupe-toi. Qu'est-ce qu'on a ici? Les Américains, ils sont là. Je sais que j'ai un peu de la culture. Fumez des merlocs. Bougez pas, ils sont où les Américains? Regardez là ce qui s'est passé. T'as vu contre moi l'américain? C'est pas une bataille, regardez, ça c'est. C'est un massacre là, à ce niveau-là. La question c'est votre avis, après on connaît le score de combien de guerre? Oh, ça commence à monter! Les gestes aussi ça monte, hein. Très bien. Voilà, c'est 1000 hommes, quoi, stack épée, c'était pas grand chose, c'était pas dur. Revenez, revenez, revenez! Ah, franchement, je t'explique un truc. Ce que je vais vouloir dans ton pays, outre la Corse. Mais attendez, je veux voir une petite chose. Là, il y a quoi qu'on peut relâcher? Provence, ouais. Gascogne qui a pas le claim, hein. Pas dégueulasse avec Gascogne. Tiens, je filerai la Gascogne. Il faudrait grandir un beau, une belle pronoya. Et si je veux pas faire la paix maintenant, bah on va tranquillement attendre. Regardez là, c'est vide. Posez, ça seront dégagés. Jamestown. Ah oui, contrôle Jamestown, sa capitale. C'est un marécage hein, puant. C'est un peu plus, je vais pas voir New York City quand même, qui est beaucoup plus classe. Sur les nappes. Américaine anglaise. Mais il y a moyen de diffuser ses propres cultures, j'ai l'impression que oui, hein. J'ai l'impression que peu à peu les provinces s'assimilent. Oh, bouge pas, moi je reste là. Hein.
What? Il a débarqué là, l'enfoiré? Oh, 25 millions de plus, c'est beau ça. Et ça parle de rebelles français dans son pays. On va laisser les rebelles tranquilles, bande de cons. Ya, est stupide. Il est stupide as fuck! Laissez ces rebelles tranquilles! Ouais, super, il a pris 3 fois la côte, ouais. Bah, va prendre la photo là, maintenant. Agent pour la culture. C'est la guerre partout. Agent pour la culture, ouais. Putain, la vache, États-Unis, on passe de 27 à 62. Ah, bah voilà! Alors, la France, explique un truc. Je veux pas. Qui c'est? Oh non, je fais que qu'un con. Voilà, avant de faire sa coépée. Ça coûte pas cher à prendre comme province. Hop. Les nouveaux têtes d'opération, ça va être ici, ça va pas tellement être l'Orient. Et un truc très simple déjà. Où possible la France. Ah, et puis également. Je vais peut-être mettre en pronoia. On laboure. Henri de Penthièvre, il a 46 ans le vieux, putain. Bon allez, quoi sur une province? On lui déjà.
Pouh, le français m'a bien fait chier quand même là, dans cette guerre, hein. Ouh, les gens, je peux mentir, c'était un peu épuisant. Et je vais m'arrêter là pour cet épisode qui a été assez long. De toute façon, je vous dis au revoir et à bientôt. Bye bye!